Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Fallon Castile, dit Farfadet Queen. Bienvenue dans ma nouvelle série de vidéos intitulée Bon à savoir. Aujourd'hui, on va parler des pètes blanches en pètes jaunes ou pètes vertes, quelle que soit la couleur. Juste avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux et celles qui abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Et vous, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à s'abonner. C'est en bas dans le bouton rouge. Et appuyez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Moi, je n'étais rien. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à s'abonner. C'est en bas. Appuyez sur la petite cloche de notification pour ne rien louper et regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est important. Les pertes blanches, on va parler des pertes blanches en jaunâtre ou verte, quelle que soit la couleur. Les pertes blanches, c'est quoi? Ce sont des écoulements naturels du vagin. Je sens, vous avez envie de me demander, mais Fafa, que signifie les pertes blanches? Ça veut dire quoi quand on voit les pertes blanches dans ma culotte ou quelconque. Les pertes blanches signifient tout simplement que les organes génitaux fonctionnent correctement. Pourquoi? Parce qu'elles permettent à le vagin de se nettoyer et de se protéger des bactéries. Maintenant, Fafa, mais d'où viennent ces pertes blanches? Ces sécrétions sont produites par les organes, plus précisément par le vagin et l'utérus. Maintenant, il y a un problème. Mais quand, Fafa, quand il faut s'inquiéter? Ouais, vous avez dit au début que les pètes blanches sont des écoulements naturels du vagin, c'est vrai, mais quand il faut s'inquiéter? Lorsque les pètes blanches ou jaunâtres ou vertes accompagnées des démangeaisons, des brûlures, voire même des rapports sexuels impossibles, elles peuvent être les signes des infections vaginales ou aussi des mycoses. Juste une petite parenthèse, c'était le cas pour moi à ce moment. J'avais des démangeaisons, des brûlures et je ne pouvais même pas marcher. C'était très dur. C'est là qu'il faut s'inquiéter. Quand vous voyez, vous avez des pètes blanches, mais vous avez des brûlures, des démangeaisons. Ça, c'est les signes des mycoses vaginales ou aussi des infections. Dans ce cas, il faut consulter un médecin ou un gynécologue. Moi, je vous conseille de consulter un gynécologue. Et pour un traitement, quand vous consultez un gynécologue, il va vous prescrire un traitement. Mais, Fafa, quel traitement? Quel traitement? Oui, le plus souvent, lorsqu'on consulte un gynécologue, il va vous envoyer d'aller faire un prélèvement vaginal dans un laboratoire. Juste pour voir si vous avez des mycoses ou des bactéries ou des infections vaginales. Après, il va vous prescrire des ovules pour mettre dans le vagin le soir avant de dormir. Parfois, il peut vous prescrire aussi des antibiotiques. Ça dépend. Mais dans mon cas, le médecin m'avait prescrit des ovules. Et après, il m'envoie encore aller faire un autre examen pour savoir si je suis en bonne santé ou comment ça passe. Jusqu'à ce que je termine avec tout ça. Voilà, c'est comme ça. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, donnez-moi un like. Et si vous avez une question, c'est dans le commentaire.